Bowser jaune. Oh, pourquoi il prend celui-là? Chacun ses. Voilà, chacun ses son petit kiff. Pour déconcentrer l'adversaire. Sûrement. Qu'est-ce qu'il est moche. On peut le regarder en face. Non, mes yeux. Non. Ah, des deux côtés, ça met les pourcents. On a mis un petit jab. Ok, ok, ouh. Tempo, tranquillement. Assez even pour l'instant. Ça se cherche un petit peu. Après, ce sont deux joueurs qui se connaissent, donc forcément. Ils se cherchent, mais ils savent déjà ce qu'ils vont trouver généralement. Et voilà, c'est les points. Vous chargez. Le backer qui est trouvé là, qui est fini sur le jump. Ça, ça pardonne pas. Hein. Pas plus revenge un petit peu. On peut les faire davantage. Les strap. Le boss en difficulté, c'est qu'il a pu revenir face à la guette d'attaque. Malheureusement, il est trop lourd, Bowser. Et Bowser 200%, ça peut faire le dégât très très rapidement. Rage là comme ça. Il est toujours en vie. Ouais, et puis on arrive à revenir rap. Et 22%. Ah, c'est bon, c'est je pense que c'est mort. Oui, voilà. 130%. Et quand même, même un Bowser qui pèse très lourd. Non, si. Voilà. Ça pardonne pas. Toujours très très even, mine de rien. Ah, la petite bombe qui a trail avec le petit. Mine de rien, un outil très fort pour se défendre la bombe. Ah oui, ah, c'est un. J'ai l'impression qu'il a fait exprès pour pas se retrouver dans une situation de désavantage. Il a peut-être voulu land sur la plateforme. Aussi, ou alors juste voilà, il voulait avoir le temps de pouvoir sortir d'animation pour être safe. Le chercheur qui a mis tellement de lag dans le film, il a pas pu finir le FD. Yep. Et là, on se prend en face de désavantage pour les straps. Les petites bombes. On revient heureusement. Les petites bombes, c'est un passage obligatoire en désavantage. C'est bien. Ouf. Et puis là, petit tomahawk sac B. Cependant, tout va bien. Pas enfin, tout va bien. Non, tout va pas bien. Rien ne va plus. En plus, on n'est pas très loin d'un casino. J'avoue. 160. Pour cent Rico, ça va être compliqué quand même de trouver le kill ici. Et c'est parti. Ah, la stock. C'est quand même incroyable. À chaque fois que quelqu'un a l'avantage, l'autre va tout de suite reprendre un petit peu et c'est toujours hyper serré. Ouf. Ah ouais, c'est... Il est retombé directement sur lui sans dodge, sans rien, vas-y viens là. Grab, direct. Allez, on gratte les pourcents. La force qu'a Bowser à gratter des pourcents est quand même effrayante. Ok. Ouais, le CR dégrappe, c'est un regard. Il a paniqué. Il a. C'est peu de charge shot, heureusement qu'il n'y a pas suffisamment de pourcents pour dégager. Bon. Donc pour l'instant, Bowser n'est pas trop en danger, il a encore de la marge. Même si bon, il faudrait pas non plus trop se prendre de pourcentage. Oui, mauvais placement. Et là, c'est la situation inversée. Oh magnifique reverse avec un Don B. Ouais, pas parfait. C'est vrai. Deux secondes.
Vous êtes pas en finale? C'est... Ouais. Bah, il presque 23h. Ouais, il est presque 23h. Techniquement, on devrait en finir 23h, mais... Pardon, excuse-moi, Martin. Dans le jugulaire. Ok, deux... Ah, là, j'étais encore sur le bracket normal. 2h pour 26, ça me va, ok. Ok. Alors, pardon. On en est où? Voilà, bon bah voilà. Je vois que j'arrive au bon moment. Et en plus il enchaîne, hein. Là il a direct le grab forward air. Le genre en tablette de... Le 1, prend du feu. Tout ça c'est davantage, est-ce qu'on va pouvoir profiter? Ah, la bombe qui n'est pas passée, malheureusement, ça aurait pu être... Il arrive vraiment bien à revenir... Ah, il est timé. Ouais. Du coup, enfin, je veux dire, ils s'en sortent vachement. Ouais. Les phases d'avantage d'Alexis, elles sont vachement... Il a vraiment... Lui, il arrive très vite à revenir sa situation. C'est Bowser, tu vois, c'est pas... Non, non. C'est assez gros, hein. Il arrive à revenir, à récupérer. Ouais, moi je trouve que Ico donne l'air à Bowser d'être plus agile que ce qu'il est. Après Bowser ça court très très vite. C'est pas fou. Boum. Voilà, c'est juste la petite phase. Il y a eu un petit reset par soleil. Et... Ah c'est dommage, mais c'est... On est un peu en difficulté à cause de l'inverse. La critique pour 1. Je vais faire peur avec la bonne B. Le gadget n'a pas été choisi à 125%. Est-ce qu'il sort... Est-ce survit? Il survit. Magnifique ça. Oui, c'est un truc. Pfff. Ok. Je pense que c'était un forward air. Oui, je pense aussi, et que ça se transforme en smash par erreur. Ok. Je vais essayer de. Ledge guard. Et. Et le back air. Le back air ras du sol. C'est une victoire donc d'Ico. Nous montre encore une fois que son Bowser est effrayant.